Alors, il faudrait relire Chouinard, il faudrait relire ce qu'il annonçait à la fin du 19e siècle, dans les dernières années du 19e siècle, dans les 1890 et quelques. Qu'est-ce qu'il attendait de l'astrologie, cette renaissance de l'astrologie? Et précisons que le travail de Chouinard n'a rien à voir avec celui d'un Selva ou d'un Fomalhaut, hein, qui eux voulaient se réapproprier l'ancienne astrologie. Lui, il voulait partir sur des nouvelles bases. Alors, le mot astrologie scientifique, d'ailleurs, a été galvaudé parce que finalement, il concernait a priori plutôt l'astrologie vue par Chouinard, le polytechnicien Chouinard, et non pas l'astrologie se référant à l'astronomie, certes, mais avec une tradition qu'elle ne remettait pas en question fondamentalement. Alors, on va donc étudier ces questions-là pendant les semaines qui viennent. Ça aboutit d'ailleurs aux mes travaux de Michel Gauquelin, d'une certaine manière, qui sont une véritable refonte de l'astrologie, jusqu'à un certain point, avec des planètes traditionnelles qu'on connaissait depuis toujours, et non pas des planètes qu'on venait de découvrir, etc., ce qui aurait été ridicule d'ailleurs. Et c'est bien que Gauquelin n'ait rien trouvé, non pas cherché, mais rien trouvé pour au-delà de Saturne, parce que ça aurait été aberrant. Il est évident que l'astrologie a besoin d'être ancrée dans une anthropologie et dans une histoire de l'humanité, et pas une humanité consciente et qui se servait de l'astrologie pour s'organiser, et non pas une humanité qui ignorait Uranus, Neptune et Pluton, ce qui aurait, ou sans parler de l'astéroïde. Donc Chouinard avait pensé cela, il avait développé notamment une théorie des ascendants. Alors les gens qui avaient un ascendant en signe d'air auraient été plus intelligents en moyenne que les autres. Bon, franchement, on y reviendra. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, j'en parle tout à l'heure pour le XVIIe siècle, c'est de savoir ce que les astrologues proposaient. Quels étaient les astrologues qui proposaient de repenser l'astrologie complètement? Alors, il y avait donc Morin de Villefranche, j'en ai parlé, qui était connu à l'époque, dans les années 1640, 1650, comme quelqu'un qui voulait refaire une astrologie nouvelle, ce qu'il appellera l'astrologie gallica. Et d'ailleurs, lui-même s'intéressait à l'astronomie aussi. Il voulait que le couple astronomie-astrologie persistât. Et d'ailleurs, Eustache Lenoble aussi a le même projet. C'est un projet astronomie-astrologie. Il fallait éviter que ce soit découplé. Donc, il faudrait étudier ça. Alors, évidemment, il y a eu la tentative de Jean-Pierre Nicolas dans les années 1960, etc., l'astrologie conditionnaliste, etc. Mais finalement, qui a fait long feu parce que il a conservé tout. Il a reformulé, il a ravalé un petit peu l'astrologie, mais il a conservé les planètes, y compris les planètes au-delà de Saturne. Il a conservé les maisons, les aspects, le thème astral. Tout ça a été conservé. Et donc ça, c'est déjà un a priori. Au lieu de partir d'une observation anthropologique, regarder le monde, et ensuite de voir ce qui en astrologie correspondait, il est parti de l'astrologie pour regarder le monde. Alors ça ne va pas. Et puis je ferai une petite allusion à Marie-Louise Sondaz, qui dans les années 1930, 38, 39, etc., a voulu constituer une nouvelle astrologie, si on peut dire, une astrologie pour de presse. Et moi je ne suis pas du tout contre l'astrologie de presse, parce que moi elle a le mérite d'une certaine simplicité. Et à mon avis, l'astrologie a des racines dans une astrologie populaire, parce qu'une astrologie populaire, c'est une astrologie qui était pour la cité, pour que les gens comprennent. Donc aujourd'hui, on comprend qu'il y a des élections présidentielles, etc., pour que les gens comprennent ce qui se passe. C'est pas un truc qui doit être complètement dans l'abstrait, réservé à des spécialistes. Et donc, elle a proposé, je dis pas que je suis d'accord avec elle, mais c'est une tentative raisonnable. Elle avait proposé d'utiliser les 12 signes zodiacaux pour montrer quelle était l'influence des astres sur telle et telle population de gens.
L'avantage de sa démarche, qu'elle n'était pas du tout individualiste. Parce que l'une des grandes défaillances de l'astrologie, c'est l'individualisme. Quand on dit que quelqu'un est du bélier, on n'est pas dans l'individualisme. On est dans une sorte de psychosociologie où il y a la famille bélier, la famille taureau, la famille gémeaux, en sachant que dans chaque famille, il y a des millions de gens. Et il y a une guéguerre depuis longtemps entre ça, entre ceux qui disent qu'il y a des familles, des typologies, des types planétaires ou des types zodiacaux, et ceux qui disent non, il faut faire le thème astral, le thème personnel, etc. Vous voyez, ça, c'est déjà une tension majeure. Et à mon avis, c'est plutôt la première voie qui est la bonne. L'astrologie ne peut étudier l'individu que sur le terrain. C'est-à-dire, c'est pas en faisant le thème natal de quelqu'un qu'on saura qui il est. Il faut partir d'une typologie très simple et ensuite voir comment la personne vit cette situation, cette période. Et là, c'est le travail que font les psychologues, les psychanalystes, les thérapeutes, etc. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, je crois que beaucoup d'astrologues ont compris ça, ont compris qu'à un moment donné, il fallait aller vers la personne et avoir des informations à partir de la personne et non pas plaquer sur la personne. Bon, ça aussi, c'est un point important.